une sorte de fuite dans l'activisme, y compris dans la vie de l'Église. Donc si nous avons dans nos paroisses des chrétiens très engagés, prêts à tout, tout le temps, c'est très bien, ça nous arrange, on peut compter sur eux tout le temps. Mais allons regarder un peu, est-ce que ce n'est pas une fuite? Parce que seulement à la famille, dans la famille, dans le couple, ça ne marche pas. Alors on compense par cet activisme, voilà, apostolique, prêt à tout, tout le temps. Et on néglige la famille parce qu'on fuit le débat, parce qu'on ne veut pas poser le débat, parce qu'on ne veut pas voir l'autre ou les autres dans la famille. Donc pour nous, pasteurs, jetons un coup d'œil quelquefois. Très discret, très pastoral, mais efficace. Une fuite donc dans l'activisme, ça va être même au niveau professionnel. Quand on est dans un diamant qui se cœur, on est gaou, du outil. Fangé langam. Mon adon c'est qu'il y a eu diango. Les gens dem gëna sawati ligéy jàng parce que da nga ragalé dem kër ga parce que kër ga négocier bu amu fa jàm parce que kër ga sé wayu ro sa jëkër sol sé dom amu fa jàm donc pour mëna occuper ce temps jàng kër la bé kër sœur ya nga fa comme ñun la bé ñu gën di gëssu situation yi di mel lan mo nekk ci gënaaw lan la neub activisme temps professionnel vie d'église vie associative, pareil pour les jeunes. Il peut aussi engendrer une fuite de l'imaginaire, dans l'imaginaire. On est tout le temps à la télé, on est tout le temps sur Facebook, on est tout le temps connecté, parce qu'on fuit la réalité. Parce qu'on ne veut pas aller en relation avec l'autre. On ne veut pas aller vers l'autre. Alors on fuit dans cet imaginaire-là. On est tout le temps connecté. Il n'y a que beaucoup de temps d'effort njobot gi wala keur gi din la yobbu yenn sa ci lan ya nga langamu ci television ba ya nga langamu ci internet ya nga fofu lo rek ngay topato ndax baña wax ak ndax baña lu jeenti la di indi djubo ak benno ci keur gi kon suñu amé ci suñu njobot ko xamné ci suñu dom wala ci suñu neeg les sey télé rek internet rek nañu gëstu lan lay daw lutax du wax ak ñeneen ñi lutax du bëgg leen ko lo ak ñeneen lutax muy bëru tout temps lutax. Fuite aussi dans la consommation d'alcool. Bagné lidjenti soxla ba wax bamou leer nga dem langamou ci lan ci alcool sangar ci nga né pour noyer les soucis du goor du jigen ñep nga ci biir du mak du ndaw ñep nga ci biir nga né ah comme ki bëgguma man duma bëgg jël sama ko sama ram tang ma dem teuti dedet du lol mo jëmale kanam kër du lol mo jëmale kanam askan togal ak nga wara togal wax ak mom ci wax ji gëna rafet loolu la yalla woté té loolu mo mëna jëgulé kanam donc la fuite dans la consommation d'alcool on peut parler de la drogue yamba ba nga fi du ma len koy wax mu ngi fi dé nekul ci yeneen jobot yi mu ngi ci suñu jobot nañ du gëssu drogue bo lan la ndax baña rek bok ci nit ñi wala baña safante ak nit ñi ngay dem di laxu ci mbirum drogue wala mbirum alcool mëna doon tamit concentration sur l'affection des enfants concentration sur l'affection des enfants yak sa jëkkeur du ngeen wax wala yak sa jabar du ngeen wax légui nan ngay def comme ki do wax jëkkeur do wax jabar négocier wax bi demewul non xalé yi nak nga ouf leen nga mom leen nga leen tette nga leen bambane xalé lepp xalé yi ndax rek baña wax ak sa jëkkeur wala baña wax sa jabar deet ku nek ak wargaram wax ak sa jëkkeur sa jabar sa wargar niki yaay niki dom niki baay ci xalé yi mais leen dañu bëgg fat jafé jafé woon ñu am ak suñu natango jëkkeur wala jabar langamu ci xalé nak ne leen fat duñu noy donc cette concentration de l'affection sur les enfants cela aussi crée une difficulté qu'il faut aborder comment communiquer en famille et bien communiquer il faut d'abord soigner nos relations époux épouse parents enfants frères sœurs soigner nos relations
Les relations commencent au sein de la famille. Il faut donc soigner ces relations. C'est la bientraitance relationnelle. Et cela permet de traverser bien des épreuves. Soigner nos relations. Nous devons faire des choses qui nous aident à faire des choses qui nous aident à faire des choses. C'est ce que nous devons faire. Parce que c'est ce que nous devons faire. Nous devons faire des choses. Melokane ak bëgg bëgg yi bokku ñu donte sañu bokk lay bay donc liggéey la ku nekk di muñ ku nekk di nang ku nekk di waxtaan ku nekk di diso ñu mëna jëm kanam wuss yalla donc cela permet de traverser les épreuves. Pourquoi est-il si difficile de communiquer? On peut se poser la question, pourquoi est-il si difficile de communiquer entre époux et épouse? On s'est choisi quelquefois même au détriment des familles. Pourquoi on ne peut plus communiquer? Quel est le problème? Nos enfants, c'est nous qui les avons mis au monde. Pourquoi nous avons du mal à communiquer avec eux? Nous sommes prêts à aller régler les problèmes des enfants des autres. Pourquoi? L'autant, nous avons déjà fait Watan qui négocie. Nous avons connu qui a tant de samorom, l'église, Bangatane, Bogusou, qui négocie, c'est Wadri, Bougnon, Boki, Bougnon, Yongal, Bugna, Bugna, Dembechibir. L'église, nous avons dit qu'il y a un peu de temps. Naka non tamit xalé ñun ñoo leen jur ñoo leen ouf lék nga dem nga ne mënu mu xax mom du mu xax mom nangam ndaxam ya ngi sol ses dal wala ngay wordu di dem lijeenti mbirum doomu jaamur ci neeg té sa kër ya ngi sétal lutax jafé bo gam. Derrière la communication il y a souvent un problème d'autorité. Et la difficulté réside dans la façon de communiquer. Kilif tef yalla tek lako nang koy samé nang koy jëfé lék moy suñu jafé. La manière de communiquer mën nga nek kilifa feñal sa kilif tef te jalu nga ci yok ay saga parce que ñun wajur yi lék dañuy saga suñu doomi rek dañuy saga rek sen nak nga nako waxuma voilà. Kiliftef mën nga ko feñal bañu nang ko te jarul yenn wacc jarul yenn doxine wala wala ñu tirante mbag ak suñu doom bu bo ya tek sa bop sa moromu doom ya ko tek sa bop moromam nga yeen nga tirante mbag te mom di la wonne man amna pexé ya ko tek sa bop. Donc la communication, l'autorité. Les difficultés de communication sont d'autant plus importantes lorsqu'il s'agit d'une famille nombreuse comme chez nous en Afrique. Mëna waxtan ak ñepp ci bir kër gi baña xajalé baña tan né ki moy sama xarit lumu wo bëgg lamu wo bëgg nonu la su dé sax lu baaxul non man waaw sama nit la sama dom la dédét bul xajalé bul tan bul gënatlé ñepp yémalé len ci bénn ciofel gi li Yalla dink nga doon kilifa niki wajur ci say dom mu don kilifa niki négocier ci keur jabar. Dans un couple les difficultés c'est le dominant et le dominé. Ku nek da bëgg woné né man may dedet négocier amul man may ku nek day japp fi ñu mëna kuus dem yo ya yoré li man ma yoré li jëkër jabar ku nek lélé Yalla denk ku nek lila Yalla sante ba Yalla sakke goor ak jigen war len lenklo ci biir neegu sey dafa jeex ku nek ligeyam. A la création Dieu créa l'homme et la femme et l'a donné à chacun sa mission. Voilà, l'os de mes os il faut protéger, c'est ce que Dieu me donne comme mission. Je dois protéger, je dois promouvoir, je dois donner la vie et la joie de vivre à l'autre, l'os de mes os, ça c'est l'homme. Voilà, la femme, le Seigneur a dit que tu es l'aide, il t'a créé. Il faut que je lui cherche une aide qui lui soit sanglée. Tu es une aide, accepte cela. Et on vit, et on conjugue, et on avance. Quand il y a le dingue dans la langue, il se ligue, tu n'es pas ici. Nous avons dit à Athanase, nous avons dit qu'il y a.
ala baula ne kan lon lu ñewu ñet li ani li ayini li ku ñoli jak mu jow ngot jak mu jow moli bu ko ba baxut ngi jox ko lim at mu kan ngi jow kayo lané waxaw no ko lon kulim hasumu tufulo ban ko bagut ko baxuti en holobi waxaw ñame nge u geetuma geetu mbokanaku li ka jamonati ban waxam mo me ñame nge am du kale mo utanga u fan wi so na yi so du kanine wala jox jola antana la tepp na jow boot l'année wonona le mon fi soumen man te fo fello kemik l'année houle lif an houle lif noko noko don sambon elmet nanu ya benemu titi balen titi mul mu ñew nga mu taxen li bu jall fon kajal kamenge mu mujju mu lané waxandu lo balé mu waxnu funu lalé mu tu molal lo talé kon nu né mu uti ujiwu wul li fa ko li ñamé nge balaw ñu ndu funu wa mu lu mu wénu mi du man té wa mu lé si la wali ma ta xolim nako nako lo né fu mu bel xolim waxam ma jakku tu xaw fa parce que nanu la bew lo la fali da to bandu bu jor u jow bu ka wono kanana bu ka wono ko mu jam da to jow u ramaseul wa handulu ulom mu non wa handilo mu lemo lolo lo bu ban lané ci sou men san wa ha 50 li malegen 50 li ka jox ko nan wolu afali ngi joji ba bo ngi soumen dan ban ji balut ka wolu wo lané to ci problème so ci foule mo lané ni ke fama ju kal di bu lo nga ba tabu kanaku ak ke fama yi to e suri fane salon mata wa bu lo ko baji mo li jangu mata bu lo ko baji mo ta ko la baku mata bu lo ko baji mo ta ko soleku o matina kama ndalo nge mulu munya dakane mulu munya kama amandi katay wa mulelu fon bana ho ba bac ce problème sa mulelu fi so su jemu lu jow wulu nanu xam malok bliske ku sali banka ma boli jakut dane waxu le butin ano souf mu boli nga xanga na ko li ukando ndu has bu lom o kanindi li jobi balaw kan tu mu kanga na ko li no tay sambu na soufan ci jow na ci jow continuer ban kenan mu bu tay bu la ñun tanu kat mu sambu na souf faham ma kajen yoyom mu anon da ta tuk anon la ta kanto ci fin tuol min has bu lom a jow li buton awol eno la deni ke fof ndudju kale mu set ci telasu ci filma sanku kanene mu ñew bu kanaku ni ke lu bu anala akan kale lo ngol li huitik yok bil waxana mu la kay fe ulem mata ol kaju ke mante barbara mante santa barbara mante asu barima la new ha usiet fofu kagen bolom bata buton olien du bax ngi soume ndey ni awna na mon utufu u joma se buli ngul ya ko mo na da television ay kak foye ton na fa ndu ke foye ton yi li ti jot na na mon bu fulut olona ni ngel yoke let ma ngi bamba na ndiyamana te yo kam mo umu lisu
niken nu wuli ngul oli kalu mot nu boy hin tan moli eh la ne fof le musiet o la fa lu bagal ci telephone na internet wono na le mu réseau o lien réseau ali le la ko bouton la boli aw kam lo bagge réseau ya ke bouton li bouton bu ya na no mam mutu kam mam lu la ko jalam ñe su teesu ana taju ka falo na no mam mu su telephone su ko cok et te bois man man da nu kul nga akili man te am lané fof waxa wu fofu getum kamengeli bu kanako li alokolay eho bay ni ke boli souf mu ñe kanina ko xamot kana la ko eho bi ne mu jomul ci baras fa nu jidu kana la ko fa nu jidu kanina ko la mu jikan tu jamu ñe jangul ha nga xop eho ano fa na tay ano ken de eho bay nda tay wa mule lu fala ni kero mandu bu jole ho bay lu noke non la le musiet drog parce que xamoba gi sambe ko nga mu drog u kan u tin u bien lu ngaw ya holo no kanem fa nu xamoba fa kale fa ene lay fene musuf bandu tey elu fi du hasale les conséquences on a les bois sale ha bu geet même c'est lu du kale di susu ka so lal bañ la bo lal bu gemweno on dirait lu hangale sey mu ñepp baj bu kanka gundo ka mo ka ni ku gundo ma ho samu ana ni ke ana wu ani ne li ana le li bu togi ko baj mu ci problème ni kan ni no fana kat bo ase kol minatiyo boli bañela ak na am ñew problème wala balé bañol lol waxo wana fulé wana ay nolé bañol lol nduma ñanka naku ku ken doone ummu anirusumu o amu kayeba kumba sufumu lingé fan souflakila li souflakila fan souflingé numa gëna xawma na am ñew bañela boli lo mu nga minuma gëna séki u bien numa gëna yini ané waxo fof woto to baj la ne kama bu lomu bu bukana ko tumu ku sumen li sunu fa so solie in la ko sumu so jakke bu yomu anu andate alok min digente wala ta ay nol mate li bok fa lol waxaw li jak bandu jak li ma la gen bandu jak lima legen nokolo malegen bukana kuku jamo bandi ku baj hufa ñum lima legen wahowa la tuilu fakil wahowa la tuilu heki anine li anale ku jamo mu bandi ku jamo lima legen ko lima handi lom mo malegen amu len tu mat ku jamo lené lima legen mat lu yologi jamo li am band len lima legen tamali bula fut la nek ma bu kané ci soumen di ci seigni li bouton bu kané la né ni ké bagé bajo no ha sekana ku wata sembe na nan ko né bagé l'association des femmes battues par leur mari ba le site il y a des associations des maris battus par leur femme eh l'autorité mune wala mu sembe let mune la ni ne balé sembe mune la nalé la babay ni ke fanu kan ay ni ayo ka jano ko lon e jame eso merci ni mako eso ni ke sa fana kuli afu ayo ben ko fakoti yo ko fa lol ni ke afu mo la ñu mu la non yo efo say wa ondo u fulenul ñam eh sembe autorité autorité donc la ne kama ci soumen sauté ci chocolat ci soumen di bouton
waxa wote wo sokol yi indiak ndiakum baj ka jep ka ko waxa nge sembe ka jep ka ko hali lolum bu net baj la ne waxa wo fam mo baj sem bo waxa mo baj li su utanga wa me ngaw ne mo la ba benike utanga wo memme ni ke gam ni ke kam ha sum kana ko kum ko li ko ya ma luba ku ni ne kum ko ma luba man te mo waji fulu bu jom du ke mo ndu fulu mo nu du ke ku kili lu tep du ke af a atahi bo lande akane no no band balant balant ton ti le bul bané ko li ma ko ko ngi to hatia kama ala bawlane li hukitum atemit nana awhemu anine wala na law asansan anowan bolokol li buton kama badut anti jaman da nga falol wanani na tebumu watemi tawlol wanana la matebul watemi tawlol wahamona le mu ils sont complémentaires anam ay la fajo le quatre kano nana mu tep kano lu tep kaku nonu yo kayo mu ñano ko mo li bouton ani na tebumu ana lola tebul bouton wa bu yo hakil kama bagot anti jaman da nga fa lol ou bien anti jaman da nga ma mali la fa lol atemit wanda kam wala kam min la ko ani na an ko lot la nalaw balen ko nako lotumu mo fof ku limu ku nabo inni li jak mo ala balu bay merci. Merci l'abbé Athanase. Le dernier volet, comment se parler? Il faut communiquer, oui, mais comment? Comment se parler? Comment s'écouter? Parce qu'on communique, il faut que l'on écoute quand même. Comment accueillir la parole de l'autre? Parce que l'autre qui parle, ben, c'est pour être écouté. Et vice-versa, réciproque. Donc, comment se parler? Comment s'écouter? Comment accueillir la parole de l'autre? Dañu wara waxtaan suñu biir neeg muy njobot muy neegu sey waaw mais nak lañu waxtane kuy wax da bëgg ñu déglu ko ko nak ngay déglu kuy wax lamuy wax da bëgg nga agalé ko nga d'accord wal baax bañu d'accord benen problème mais au moins nga déglu lam la wax du leneen nak nga koy déglu nak nga koy agalé ci waxam écoutez. Quel est le sens que cela a pour lui? Ce qu'il est en train de me dire, ce qu'elle est en train de me dire. C'est important. S'il le dit, si elle le dit, ça veut dire que c'est important. Je dois l'écouter. Mais ce morom guide, ndax té lamuy wax dafa am fulu ci mom. Yo tamit fulu la lamuy wax. Accueillir ce qui arrive, laisser aller plus loin dans sa parole sans l'interrompre. Accueillir ce qui arrive. Laisser aller l'autre jusqu'au bout de son idée. Donc la muy wax agali ko namu koy waxe bayiko mu wax bal khalatam jeex bu ko dok mën nako waxe ak mer mën nako waxe ak nenen agali ko non donc accueillir ce qui arrive laisser aller plus loin dans sa parole sans l'interrompre sans l'interrompre lek lek dañu yakamti wax de deug li nga nga dedit de indi rero ping pong dedit. C'est pas la communication, ça. En accueillant l'autre, en le laissant parler jusqu'au bout, cela permet un gain de temps et d'énergie. Un gain de temps et d'énergie. Vous avez dit que vous parlez d'un petit foulot, d'un petit âme fitness. Mais c'est ce que vous avez dit, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez. Il y a d'ailleurs moins d'urgence à répondre qu'à écouter. Il y a moins d'urgence à répondre qu'à écouter. Autrement dit, répondre, ce n'est pas une urgence. L'urgence, c'est d'écouter. C'est ça, d'abord. T'écoutes jusqu'au bout. Boule yak kam di tontu. La gawara yak kam di mori dik lou lam le yok. Nga dik lou ko bamu djek. Mune nakari baye kou mwa. Nda kholam gif. Si wak yo nyanal yalla, boule fatene nitu ngam nga. Nyanal yalla, nda khlumi wak ni... Voilà, fitnel gogo wacc. Voilà. Accueillir donc, il y a moins d'urgence à répondre qu'à écouter.
Sinon, cela peut donner lieu à un jeu de ping-pong, voilà. Et cela épuise. On n'avance pas. On est là, on tourne en rond. On va rester là pendant une heure de temps. On n'aura pas réglé le problème. On aura envenimé la situation. On aura empesté l'ambiance. Et on aura rendu la vie familiale impossible. Alors, est-ce qu'il faut écouter et laisser l'autre aller jusqu'au bout? Pour cela, avoir l'air le plus naturel et le plus neutre possible. L'air le plus naturel et le plus neutre possible. Là, je ne peux pas le mettre. Soit naturel. Soit neutre. Parce que si vous parlez, ce qui est déjà à Tissahel, c'est que ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit, parce que il faut être neutre. Il ne faut pas prendre des dispositions avant même que l'autre sait soit exprimé. Voilà. Il faut être neutre. Prouver que ce que l'on va entendre ou on est en train d'entendre, c'est la parole de l'autre. C'est la parole de l'autre. En répétant de façon reformulée, la reformulation, ce qui a été dit. Lui prouver que ce que tu dis là, c'est ta parole. Tu assumes. Et je veux être sûr que j'ai bien compris. Donc je redis ce que tu as dit avec mes mots. En lui disant, ben, j'ai bien entendu ce que tu as dit. Si j'ai bien compris, tu dis ceci, ceci, ceci. Parce que ceci, ceci. Et l'autre dit oui. Ah, là, c'est clair. Maintenant, tu donnes ton point de vue et on avance. Il ne peut plus revenir en arrière. Parce qu'il a acquiescé comme quoi ce que tu as compris, c'est bien ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, c'est bien ce que tu as compris. Tu l'as reformulé à ta manière. Il a acquiescé. On avance. Soy waxtan ak sa nawle wala sa natangu mu ci kër gi mu di ci leneen. Lamuy wax deglu ko su waxe ba sotal nga jëlat lamu wax nga sotil ko ko ci sa deg deg wax ko ne ah deg na la ci li nga wax wax nga ne li ak li ak ni ak ni li mo la ci metti koku dañ la ne waaw mu leer ne la nga deg mengone ak lam la wax bu wa ngeen mëna kous karam nga wax sax la mais lool soko def rek di ngeen dem ci biir mu ne no waxu mo won lool gisuma ko non yo ya ko gisse na day indi rero waxatal lam la wax ak ni ko denké ba mom mu né waw li nga wax nonu la li la la bëggon wax japp ko ko non li nga wax ko salat on avance la reformulation c'est important et pour cela accueillir ses sentiments et ses ressentiments il faut les accueillir ses sentiments ça peut être la colère ça peut être la frustration ça peut être la déception ça peut être la surprise il faut accueillir voilà lam lay wax mën na la ko waxe ak voilà ko am ne ki dafa décourager parce que fogal won lolu ci yow bet nga ko wala nga def metti nangul lolu agaliko voilà non la djema ko djem kanam ndax te jam lañu bëgg benno lañu bëgg bëgg ñu li reeral njabot ci reero amul ñak waxtan mo il faut laisser donc l'autre parler sans se précipiter may ko guent bul nek fi de ngay koy deglu ngan ko gawal gawal gaw dedit dang koy merlo bu boba waxtan bi de gëna gudd rek deglu ko bayiko mu wax su paré wax salat donc accueillir l'autre sans poser de questions pendant qu'il parle sans affirmation l'accueillir jusqu'au bout dans sa parole et après seulement voilà se prononcer par rapport à ce qu'on a compris. Alors, quelques astuces pour nous aider à favoriser la communication, c'est valable avec les enfants, c'est valable aussi entre adultes. Des façons de maintenir la communication, ce qui veut dire qu'elle existe. La maintenir. Première façon que je vous propose, c'est de poser des questions. Pour montrer à l'autre, l'enfant ou l'époux ou l'épouse, que vous vous intéressez à ce qu'il vit et ce qu'il dit. Vous vous intéressez, lui posez des questions. Tiens, l'autre jour, je t'ai vu faire telle chose là. Je t'ai vu vivre telle chose. Je t'ai entendu dire, tiens, voilà. Lui montrer que vous vous intéressez. Et ça maintient le climat de communication. Mais si vous voyez l'autre en train d'agir, vous l'entendez parler et vous ne faites pas allusion à ça dans le quotidien de la vie, ben, il est frustré. Il se dit, ben, lui, mais moi,
limay def sama jëkkeur faalé wuko sama jëwar faalé wuko etc. Donc nit ki lamuy def ak lamu dund won ko né may nga ko gëddum nga laaj ko ah kérok day gis na nga def li sank gis na ngay wax li ah lolou de mom baxna nangam ko nga won ko né aha lolou moy tax leunk lu waxtaan bi gëna jëm kanam. Donc favoriser par des questions pour lui montrer qu'on s'intéresse à ce qu'il fait, ce qu'il vit. Voilà. Il faut. Ensuite, ne pas jouer à la police. Ne pas jouer à la police. La police, son rôle, c'est de mener des enquêtes. Nit ki su ñëwé di la wax wax xam. Bul jëm xam naka la woon, fan la woon, naka la lan la dédit. Déglu ko mu wax la, lam la wax nga japp ko bax ça. Mais si tu veux jouer à la police, rentrer dans les détails, c'était avec qui, tu as fait ça quand? Ça crée une situation de frustration et ça énerve. Alors qu'on doit maintenir le climat de communication. À ce moment, l'autre, il se ferme. Il ne va plus jamais te dire. Parce qu'à chaque fois qu'il va te dire, vas-y, elle va m'embêter, il va m'embêter, donc je ne lui dis plus rien. Et donc, pour maintenir le climat de communication, ben, ne pas jouer à la police. Ne pas être là à fouiner les derniers, les petits détails. Mais accueillir l'autre dans ce qu'il t'a dit, ce qu'elle t'a dit, et on avance. On avance. Ensuite, choisir le bon moment. Choisir le bon moment. Fang ko koy waxe bu ko wax ci bir nit ñi bu ko wax ci bir ay nawlem bu ko wax wax ba nga mandé wala bu ko wax ba mu mandé. Il faut choisir le bon moment. Ne pas lui faire des remarques en présence des autres. Ne pas lui faire des remarques quand on est dans un état d'ébriété soi-même ou lui-même. Il faut choisir le moment, il faut choisir le cadre. Donc savoir, comme dit Jésus, lire les signes des temps. Est-ce que cette personne, mon époux, mon épouse, mes enfants, mon frère, ma soeur, est disposée à accueillir, est disposée à écouter, est disposée à parler? Est-ce qu'elle est disposée? Si ce n'est pas le cas, j'attends. Bo demé ci suba sa leppay geuf té kenn du wax moromam dara. Donc patienter, et cela va nous conduire au deuxième enseignement, le devoir de s'asseoir, le deuxième enseignement de tout à l'heure, mais ça sera ça un des fruits, de savoir patienter et trouver le moment pour se parler, parce qu'on doit se parler en vue de fortifier l'unité, donc en vue de consolider la communication. Voilà donc ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Pour ce premier enseignement, la communication à tous les niveaux, ce que j'ai dit pour les familles nucléaires est valable pour nos familles communautés. Nous l'avons compris, nous les consacrons. Demandons au Seigneur de nous garder dans ce désir de communication, de transmission et de pouvoir faire circuler la joie de vivre l'Évangile, la joie de vivre Jésus-Christ, la joie de vivre la vérité, puisque Jésus est vérité. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Les roubans nous m'attendent, les m'attendent là-bas, l'année. Bo kanako comme kuile ku soumel. Bo kanako comme kuile ku janteno. Bu fof li bu tong bu kanako yi mu ku yab amo nday la yaba fa lol ayab uli ma hata fa lol li ma legen lané nan uy toé u jongoli ay ni man té la séki bandu janté nol yoyo mu lu yi so his kanako tana wote wale no mu nonu ko nga ka jante na fali ay ni man ta seki yo mu sono sen sembe golo sembe ban la ne nan domu gela ko su sume de ni man ta seki jakko no kolon ko français ko nek joué kata ping pong yenom outekul li tekul ah kamun tekul li tekul ni ko bala nga fam bi wufu téré nga ko da mon ke bala nga wufu mu téré nga wana tamane jangate bu bo yamou tafalle
yang fangi jo fangi gi so ban le waatu urance yang mukama la ko su sumen afala le buhu ma et sumuti o kato na ban o le ma wala na na ma jaban a lu ko tu nulu yang mu su sumen am lu hasa yo la neu ji kam mu fan ji gagne tan wa han jon du ji regle si min ci luba fan ji kawo balik jamon to mu awla te kul la te kul ni ke fan ji kanto ni ke si si hatu si heji ni ke su luba ni ke fan ji ni ke ho nak fa fan ji ne fan ji te ko ji te ko li bi ji to te kadene bu jon mi ngi te ko balek hun baj hulim hasta ka shoko ana kama yo mu ano wanda te akankano na ila jante na falol kajante no lati yo moa bu kasik bolong bata buton ana na se buton anini la se ko ku jante no lelit no kono kono bu sik mata le jaklo le jalo lane lawlolal oyno mindu ha sal bolomo usumenal bolomo mikel li otongololal la lawlakum kajantana fali satutimu ogalen bandu galen de holim hanu asakana ku hasume let matandu bono galen du galen di sembe ne kew gaw mu galen fali li sembe la lui leta ituli matal fa fangnu yi soka nako aw kama wo hokkel fa gon has u buto lu nak la kam la la jakum fofu ka dalon ku fele se ko kanam yan mo wuli ngul o gel na fa dal yi ngol bi hulim kam bur kam bu akane kam kele ya se kana ku analen nako esigila nako nako lon ebiti nyama ko fananendo anendo ni ke fambi jojo non man tekenkem kama kemut hona hanolo mo buito fanala ngele kula hawfe angala kandi butum kanina ku ku sohla tawde ku fangeli taw gasio la ne fof no kolom mu londo ba joho kono ba ayini sumutimu mema seki la kani wa sumutimu jakum ulo bol yakumu jow ulo bol nan sumimu hani la ne fokku nu ngestang hata yanu has mukana ku tobu kulbo jom indu nu lo bo khulimahu ni kenana mu bu fulu boli mu nu gemu yam khulim boli mu dar sa aha kama mu bu kamu banyala bu mbuto joseph fana jantenul da te jami fana kolon huit ka hon no belo yo xane mo ni kel bu yelo bay la itoul ba atek aw geche donc ala bo la ne o kan kan la ho na no won di tanamu bu nu bana ba bu li bu lambe no lal min o ton wa lal o li o lako o ton wo ba je ku be ku bu kana ko lu ku sumen di ku jamo min o ton wa la ku wata mu ton wa ta ku kersen wulu jo kayon yo mu yema voilà donc c'était le premier enseignement en rappelant simplement que nous sommes des missionnaires nous devons en rentrant chez nous même essayer de partager par la mise en application voilà, de cette communication au niveau de toutes ces formes de famille que compose notre assemblée de jour. Merci pour votre écoute et merci pour les questions d'éclaircissement comme prévu dans le programme. C'est ça, hein, docteur? Voilà. Donc, si vous faites quelqu'un qui a mis un peu de l'acte, nous avons l'air, voilà, nous avons l'air, 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 nous avons
Voilà, je vais résumer en quelques mots en français ce que j'ai compris et ce que aussi j'ai un peu préparé pour compléter et un peu apporter, insister sur ce que l'abbé a dit tout à l'heure.